je m'appelle Julie Cuomo, je suis un designer textile à Londres. J'ai créé ma marque qui porte mon nom, Julie Cuomo, de design, de textile pour intérieur, coussin, abat-jour, papier peint. Donc la première collection s'appelle Bangou. Elle s'est inspirée du village de mon père au Cameroun, dans le Cameroun de l'Ouest. En fait, j'ai étudié, au tout départ, j'ai étudié à Paris. J'ai fait une école qui m'a amenée au design, mais le textile, c'était vraiment... je suis du Nord, qui est le Nord est une région de textile depuis très très longtemps, et je pense que inconsciemment j'ai été influencée par ça. Ensuite, c'est le fait de pouvoir créer des motifs tout en étant dans la texture, tout en étant dans le toucher, tout en comprenant comment fonctionnent les fibres, le coton, et aussi c'est de revenir un peu, de jouer avec les matières naturelles comme le coton et le lin. Alors ça fait 7 ans que je suis dans le textile, et ça fait 18 mois que j'ai créé la marque Julie Cuomo pour tout ce qui est intérieur. Les couleurs qui sont très flamboyantes, très vivantes, très, également aussi la subtilité des designs, et aussi c'est de créer tout en avec une technique, la technique numérique. Toujours, on essaie de voir les différentes couches que peuvent apporter la sérigraphie, qui est un de mes que j'ai étudié à l'université. Le Bangou Collection, parce que c'est le village de mon père. Et en fait, quand j'y suis allée il y a 3 ans, il y avait la fête du Tse. Qui est une la fête du Tse, qui est une grande fête à Bangou. Exactement, qui est une grande fête à Bangou et dans le Cameroun de l'Ouest. Et je me suis inspirée surtout de l'esplanade de la chefferie. Et donc, l'idée, c'était de recréer tout un univers avec les arbres, les oiseaux. C'était reformuler à ma manière cet esprit et mes origines également. Oui, l'idée, en fait, c'est promouvoir le textile africain contemporain. Et également parce qu'il y a énormément de designers africains en France, à Londres, mais on ne les voit pas assez. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir ce design qui est un design contemporain, qui est un design de métissage, de mélange, mais ça fait partie du monde africain, et l'idée, c'est de pouvoir promouvoir et pouvoir construire. Disons, c'est le fait de pouvoir créer des designs qui sont tout autant où les gens de l'Afrique peuvent se retrouver, les gens de l'Europe peuvent se retrouver. C'est une invitation au voyage. L'idée, c'est de créer une marque qui vous invite au voyage, qui vous rappelle vos origines, qui vous peut-être envie d'en créer certaines. Voilà, c'est le point unique de la marque. La collection se parle de... Il y a des textiles, des coussins, mais également des papiers peints. Et donc, par exemple, ce papier peint s'appelle Esplanade. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ces symboles que l'on retrouve dans le langage bamileke et d'utiliser la technique de la linogravure, tout en mélangeant la photographie, qui est un outil beaucoup plus européen, beaucoup plus moderne. Ensuite, j'ai voulu intégrer les oiseaux, qui sont aussi une grande partie de la faune et de la flore du Cameroun. Donc tout ce qui est oiseaux et tout ce qui est lianes également au niveau des végétaux. Donc voilà, donc ceci, ce sont des papiers peints que vous pouvez mettre dans votre maison. Ils sont également éthiques et environnementaux. Donc, et l'idée, c'est aussi de pouvoir produire localement, donc ils sont imprimés en Angleterre. Oui, c'est pour ça que j'ai fait un pop-up shop, pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de promotion. Pour le moment, en fait, comme la marque est toute jeune, je promouvois à travers des salons commerciaux, des trade fairs, mais l'idée, c'est d'avoir plus de ventes directes. Et pour le moment, mes clients sont, comme j'ai fait pas mal de salons internationaux, vont être des Américains, le marché américain, le marché australien.
Et donc là, j'ai quelques repérages en Afrique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment communiquer beaucoup plus avec la diaspora africaine. Vous êtes en train actuellement de faire une exposition. C'est une boutique éphémère, un pop-up shop. Une boutique éphémère que j'ai réussi à avoir en collaboration avec le Camden Collective, qui est sponsorisé par le Camden Council. Donc l'idée, c'est d'avoir cette boutique pendant une semaine et de pouvoir parler de la marque, de pouvoir vendre les produits. Nous avons du papier cadeau en exclusivité pour cet événement, les papiers peints, les coussins, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir vendre au public et d'avoir une visibilité sur la High Street que pour le moment nous n'avons pas. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer, venez apprendre un peu plus sur la marque Julie Kouamo. Nous sommes donc ouverts du 2 au 6 octobre. Nous vous parlerons de la marque, nous vous expliquerons comment nous l'avons créée, quels sont les challenges, quels sont l'avenir de la marque, et également vous pourrez découvrir tous nos produits. Alors n'hésitez pas à aller sur notre site www.juliekouamo.com où vous pouvez retrouver tous les produits, et également vous pouvez nous retrouver sur Facebook à Julie Kouamo ou sur Twitter également @JulieKouamo. Et vous nous ferons part de toutes les photos, de tous les événements qu'il y aura. Et vous pouvez vous rattraper le temps perdu en regardant les blogs et les photos que nous mettrons au courant cette semaine. Alors, qu'est-ce que votre boule de cristal vous dit par rapport à demain ? Oh là là, difficile à prédire, mais pour le moment, ce qui est très intéressant, c'est quand on a mis en place le pop-up, les gens s'arrêtaient, les gens commençaient vraiment à se demander ce qui se passait. Je pense que ça sera très positif au niveau de la visibilité de la marque et ça permettra aux gens de connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Merci à vous et n'hésitez pas à venir nous voir. Ah, c'est cool.